Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, c'est Quetzal, ce n'est plus Ayahuasca. Effectivement, c'est Quetzal maintenant. Je suis sur Twitch, je suis sur YouTube, je suis sur TikTok, je suis sur tous les réseaux. C'est juste le nombre de U dans Quetzal qui change. Par exemple, Twitch, il y a 3 U. Quetzal, 3 U. TikTok, 2 U. YouTube, 1 U. Etc. Etc. Bref, aujourd'hui on est sur une découverte imprévue d'un nouveau jeu. Un jeu qui depuis longtemps me trotte dans la tête. Depuis très longtemps, enfin depuis qu'il est sorti. Il était là dans... Pardon, dans ma tête et il a effectué une mise à jour, une énorme mise à jour qui... qui a ajouté le dernier argument en fait. Donc c'est parti, je lance. Pardon. Je lance No Man's Sky. Eh oui, No Man's Sky, c'est un jeu d'exploration, de grind. Dans un univers quasiment infini, avec de nombreuses planètes. C'est de l'exploration pure. C'est exactement finalement ce qui me convient parfaitement en tant que joueur gamer. Je lance le jeu. Sur l'ancien PC, pour voir si l'ancien PC suit. Si je peux faire des configurations plus ou moins énormes. Sinon, je le mets sur le nouveau PC et puis voilà, c'est pas grave. Voilà, on fait des petits tests. Tranquille. Aucun bébé. Rien que la musique, elle me fout des frissons en fait. Bon, on va redémarrer, hein. Il nous demande de redémarrer. La musique, elle m'a rendu fou, hein. C'est une dinguerie là. C'est un vrai mood, hein. C'est un vrai mood, les gars. Je relance le jeu.
pour appliquer les paramètres graphiques. Là, j'ai tout mis en ultra. Si ça fonctionne mal, je baisserai. Et du coup, ça voudra dire qu'il faudrait que je l'installe sur le nouveau PC. Il ne fait que 37 Go, parce qu'en fait, c'est de la génération procédurale, comme sur Minecraft. Donc, pas mal, quoi. Enfin, pas mal. Va voir. Mode normal, un voyage infini, explorer et survivre dans un univers sans limite, tranquille, une expérience simplifiée, moins de systèmes à gérer, coût réduit, créatif, explorer et créer librement, pas de coûts, pas de dégâts, pas de limites. Ah, c'est comme Minecraft quoi. Survie, un défi de survie. Plus de danger, un inventaire plus petit, des coûts plus élevés. Exploration paisible pour personnaliser ou mort permanente. Un contrôle total sur votre expérience. Partez dans une expédition limitée en temps pour gagner des récompenses spéciales. On va faire le mode normal. Ah pardon, excusez-moi, il n'y a pas les images depuis tout à l'heure. Là, je vous les mets. Oh le con. Comment ça? Alors j'ai mis en ultra, je vois que ça bug un petit peu, donc peut-être que je vais baisser les graphismes et je le réinstallerai sur le nouveau PC, mais on va bien voir sur le gameplay de toute manière. Et du coup, faut passer, faut faire quelque chose. Ah, d'accord, je suis en train de bouger dans les planètes. Très bien. C'est quoi, faut atterrir? Faut faire quelque chose? Je comprends pas. Faire quoi? Ah, d'accord, c'est bon, j'ai touché sur toutes les touches, hein. J'ai appuyé sur tous les boutons de la manette. Bien sûr, on joue en sans aim assist, sans aide à la visée, à la manette, contrôleur. Sont HUD. Let's go. Initialisation du système Atlas pour combinaison lancée. Système de survie activé. Moins 57 degrés Celsius. On commence sur une planète Système de glaciale. bouclier cinétique activé. Donc c'est ici qu'on apparaît. Jetpack de propulsion aérienne activé. Multi-outils et accessoires laser d'extraction opérationnels.
coordonnées d'initialisation de l'utilisateur. Terminé. J'ai froid. Pas de visière d'analyse installée. Ok. Je dois faire quoi? Technologie réparée. Alors c'est fluide, mais c'est vrai qu'il y a des petits ralentissements. Tu soutiens? Ah, c'est compliqué. Petit sodium. Merde. C'est où le sodium? C'est plus N.A. N.A. Je suis mort. Je vais crever. Aïe, je me suis fait mal. Il y a du sodium là-bas. Je vais mourir. Il me faut du sodium.
S'il vous plaît! Ok, pour charger la protection environnementale. Comment on fait? C'est ça? Il me faut du sodium, j'en veux encore. Je veux encore du sodium. Oh! Je veux du sodium! Enna! Il a l'air cool ce jeu. Mais il me faut du sodium par contre, les gars. Comment on fait pour courir? Non, oh, excusez-moi. Ils disent rien, c'est trop stylé. Atteignez le signal indiqué. Ok, ouais, mais moi je veux du sodium moi. Du sodium. La musique elle est trop stylée dans ce jeu, c'est incroyable, elle te met dans l'ambiance, c'est incroyable. Vraiment. Du coup ça c'est ça. J'ai une lampe. Ok. Du coup, je dois aller où? Ah, je dois aller là-bas, apparemment. Ok, let's go. Ouh, c'est quoi tous ces trucs? Se déplacer, faire des découvertes. Oh là là, il y a trop de trucs. Ce jeu, il a l'air énorme. Incroyable. Oh la musique.
Ah, ça c'est pour courir, ok. Nice. Ok. Les mecs, je vais adorer ce jeu. Salut Badoubaf. Mais non, toi tu joues à No Man's Sky. Mais mec, il y a eu une mise à jour, gros. La mise à jour 5.0, t'es pas au courant. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, là. No Man's Sky, ça fait longtemps que je voulais y jouer. Mais j'avais un problème avec le jeu. Mais là, avec la mise à jour 5.0, je n'ai plus aucun problème avec le jeu. Oh, c'est mon vaisseau. C'est mon vaisseau, les gars. Je vous l'ai dit, je vais me tuer à ce jeu. Je vais me défoncer. La mage, elle est pas totalement sortie. J'ai perdu vu que j'ai plus de senteur. Ok. Ouais, je sais, mais déjà, elle a commencé au niveau... Il y a eu la refonte graphique. J'ai vu aucune diff, reste la mage, va bientôt sortir. Ouais, mais j'ai hâte, tu vois, la mage, elle m'a mis d'accord, tu vois. Donc dès qu'elle va sortir, bam, 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 bam. Mais tu vois, dès le début, ça me met bien. Je savais que ce jeu, il avait un potentiel de fou. Alors c'est quoi ça, itération? Putain, t'as 100 heures de jeu dessus, voilà, dinguerie. Je suis super bien, tu vas kiffer, j'ai adoré perso. Bah sincèrement pour l'instant tout est parfait hein. Vraiment tout est parfait. Mais dès le début je savais qu'il était stylé le jeu. C'est juste que j'attendais, je savais au fond de moi qu'il fallait attendre un certain nombre de mises à jour, de patch, de plein de choses tu vois. Conteneur endommagé. En attendant que Star Citizen... Ah ouais, non mais Star Citizen, tu vois, c'est No Man's Sky, mais en... Avec des beaux graphismes, quoi. Mais c'est vrai qu'il est pas encore sorti, quoi. C'est ça le truc, tu vois. Donc, effectivement, je comprends. Non, Star Citizen, c'est... C'est entre No Man's Sky et Starfield, pour moi, tu vois. C'est ça le bail. Eh hey, mon vaisseau il est où? Wesh. Non mais ce jeu il est incroyable, je le sais là. Il est sorti en alpha ou bêta mais trop mais optimisé. Ouais il a des problèmes d'optimisation, c'est une dinguerie genre. Non, j'ai pris mon vaisseau. Non, non, c'est là que je vais péter un plomb. C'est là que je vais péter un plomb, vraiment. C'est là que je vais savoir à quel point le jeu il est bien ou pas. On va le savoir tout de suite là. Si je vais continuer pendant des milliers d'heures ou pas. Il est sorti en alpha. C'est parti.
Premier vol, bah bien sûr, premier vol, là je suis en train de découvrir, hein. C'est vraiment une totale découverte, mec. C'est trop bien. Bah oui, je découvre totalement là, mec. C'est de la pure découverte là. Ah ouais, t'es dans un contenu découverte, quoi. Putain, c'est ultra intuitif, hein. J'arrive en vogue d'ici peu, je finis un truc. Ok, bah tu appelles et je répondrai, Badoubaf, t'inquiète. Technologie rechargée. C'est une dinguerie ce jeu, je le vois direct. Je reconnais les jeux, je reconnais. J'ai suffisamment d'expérience dans le gaming pour ça, pour tilter en fait. Ça se voit, c'est un banger. C'est un banger, putain. Ça se voit, c'est un banger ce jeu, c'est une dinguerie. En fait, ce qui me plaît dans ce jeu, c'est qu'il n'y ait pas des mécanismes de survie. Mais
Comme dans Red Dead, il y a des mécanismes de survie quand même. Mais c'est pas un jeu de survie, et c'est ça qui est bien. Wesh. Ouais, d'accord. Oh, doucement, doucement, c'est quoi ça? Ah ouais? Du coup, en soi, si tu peux mettre une difficulté plus survie, il me semble, c'est bon, stick. Si c'est bon, c'est du jeu. Ouais, je vais faire connaissance avec le jeu et j'ai vu qu'il y avait un mode hardcore, ouais. J'ai vu qu'il y avait un mode hardcore. Pour l'instant, je me contente de ça et puis après, on verra la suite, quoi. Mais pour l'instant, franchement, ce que je vois là, ça me plaît énormément. Vraiment, ça me plaît beaucoup. C'est très bien amené, c'est super bien scénarisé, alors qu'il n'y a aucune cinématique, mais t'es dans le truc, quoi. Par contre, ah ouais. Il est trop bien ce jeu. Il est trop bien, je kiffe. Sincèrement, je kiffe. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est exactement ce que j'aime. De l'optimisation, mais en direct, en live. Oh, c'est ce que je kiffe en plus. C'est vraiment ce que je kiffe. En soi, si tu veux mettre un difficulté. Ouais, je crois que j'ai déjà répondu à ça, mais. Putain, je kiffe. Je kiffe. Je suis complètement perdu, mais en même temps, je sais quoi faire. Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien. Oh putain, c'est trop bien. Oh putain, je kiffe. La tempête a changé, on dirait, elle semble plus réaliste. Non mais oui, ils ont fait une refonte graphique et ils ont fait des planètes beaucoup plus vivantes en fait. C'est ce que j'ai vu sur le trailer de la 5.0. Et stylé quoi. C'est stylé, c'est vraiment bien. Oh, c'est ça que je kiffe, je te jure, j'adore ce jeu. Vraiment, les mécaniques, elles sont incroyables. Oh, elles sont bien les mécaniques. Ils ont fait une partie de la refonte, j'attends le plus gros avec l'eau et les nuages. Ouais! Ah, j'ai tellement hâte, j'ai vu, hein. Enfin, je sais pas si t'as vu le trailer, c'était une dinguerie. Moi, j'ai pété un plomb, j'ai fait putain, ça y est. No Man's Sky, c'est devenu un vrai jeu, quoi. Et c'est là que ça m'a décidé à le prendre, tu vois. C'est trop bien. C'est de l'exploration, de l'optimisation en direct, mais c'est pas non plus de la survie. Même s'il y a un mode survie, enfin bref, c'est exactement ce qui me plaît, quoi. Technologie rechargée. Nouveau mob, style de blend. Mais ouais, c'est ça, ce jeu, il a un potentiel de taré, en fait. Putain, je le savais depuis le début, entre Star Citizen et No Man's Sky, quand j'ai vu No Man's Sky, les premiers trailers, avant qu'ils soient sortis, j'ai fait, mais les gars, ça y est, on est arrivé dans une nouvelle ère du jeu vidéo, c'est pas possible, c'est une dinguerie, c'est trop en fait. Par contre, je vois pas le cooldown du scanner. Ah oui, d'accord.
Ah, je suis en VOC, je vais rejoindre une VOC. Donc voilà, j'arrive. Hop. Bon, je vois pas mon. Elle est où ma souris? Wesh, il se passe quoi? Il se passe quoi? Non mais attends, mais c'est quoi ce délire? Ma souris elle fonctionne pas ou c'est comment Putain, ma souris elle pète un plomb. Ok. C'est insupportable. Quoi, ma souris? Mais c'est une dinguerie. Attends, il y a le Discord. Voilà. Oh bah là ça fonctionne. Ok, super. Alors qui m'a appelé? Bah je sais pas. Je ne saurais. Ah bah si, c'est là. Voilà. On y est. Alors Le le jeu. Depuis No quand t'as No Man's Man's Sky, Sky, toi? No Man's Sky c'est une dinguerie. Bah là je l'ai pris tout à l'heure. Ah bon. Moi Vas-y, aussi je je l'ai viens. fait acheter. Vas-y, viens. Merde, j'ai pas lu. Ah oui, d'accord. Je Salut, je peux l'ai payer? jamais fait. Vas-y, ce mec vraiment vacciné, il l'a acheté, il l'a jamais Joue joué. une fois et c'est tout. No Man's Sky? Ouais. Bah en fait quand j'ai. Il m'a toujours intéressé, mais quand j'ai vu la mise à jour Ça reprend 5.0, je grave, me suis dit ouais. c'est le moment de le prendre, toi, tu vois. Après, ouais, faut... je sais pas quand elle sort, à ce qui paraît, c'est pendant l'été et tout, en août là. Le jeu reste qui va sortir. Et là, C'est ça. j'ai pas vu beaucoup de différence. Hein. Et tu vois, je l'ai mis en ultra sur l'ancien PC, donc Ah, il tente bien, il tente bien. avec la 2060, il tombe très très bien. Par contre, là, il y a un problème. Je sais pas pourquoi, là, il bug complètement. C'est un Pourquoi jeu c'est de le 20 gigas et tout, hein. C'est pas non plus un jeu énorme. Et putain, il a ralenti de fou là depuis que je suis en appel Discord. Hein? Pourquoi tu joues pas toujours sur ton nouveau PC? Je t'ai en display sur mon PC. Bah ça dépend des jeux. Il y a certains jeux qui sont, par exemple, Elden Ring, il est beaucoup mieux optimisé sur mon ancien PC. Hein. Oh, il y a des récompenses qui Je sont te Twitch jure. de No Man's Sky. Bizarre. Attends, start. Gros, il y a des Non, Twitch vraiment de No Man's c'est. Ça dépend de plein de choses, tu vois. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. c'est trop stylé. Tu pourras avoir un vaisseau gratuit avec les Twitch drop du coup. Je viens de voir ça là, attends. Mais je sais pas, j'ai mis. Connecté. Depuis que je suis en appel Discord, le truc il pète un plomb complètement. Donc je vais mettre tout en minimal. T'es en 10 FPS là? Ouais, Ah ouais, c'est c'est une ça. horreur. Non, mais c'est pas normal, c'est pas normal, c'est un bug, je sais pas. Essaye de Bah. relancer ton jeu, je sais pas quoi, parce que c'est bizarre. Tu penses? Non, mais y a aucune logique, hein. Le jeu il tourne Ouais, hyper non, mais bien. c'est vrai que c'est pas normal, mais. T'as une 2060 en plus sur ton PC là, c'est fou. Je sais pas. C'est largement ce qu'il faut. Comment on fait pour Non, c'est un quitter bug, c'est déjà? un bug. Tu Tu fais penses un bug? échappe. Tu Ah, fais. c'est Attends, échappe. sauvegarde, non, faut que tu sauvegardes avant parce que. Wesh. Y a pas... Les sauvegardes automatiques, elles sont que dans certains cas et c'est chiant. Alors. Ah, mais attends, t'as pas ce qu'il faut pour sauvegarder encore. Tu penses? Pour sauvegarder, faut placer un truc où. Ah, mais t'as pas ton vaisseau en plus, tu peux pas bouger, putain. Non mais je vais mettre tout en minimal déjà, voir si ça change quelque chose. Alors regarde de quand elle date les sauvegardes à droite là. Charger le point de restauration et le truc automatique là. Alors 20 juillet, donc c'est aujourd'hui bien sûr qu'on est Ah, mais 20 il y a juillet. un gros Minuit, décalage. il n'y a pas la date. On voit pas bien Il y a jusqu'au bout. l'heure. En fait, ouais, je sais pas, moi aussi j'arrive plus à voir l'heure là Il y a depuis la mise minuit à jour. 30 et minuit 30 je pense. Là il Ouais, est mais du minuit coup, date. 46. Ouais, tu vois, elle date il y a 10 minutes les sauvegardes. Donc c'est un peu chiant quoi. Comment tu pourrais faire? Bah je mets en déjà graphisme minimal pour voir si ça change quelque chose. Je crois qu'il faut relancer le jeu pour changer. Je suis pas sûr pour tout, mais. Putain, j'avais tout mis en ultra, c'était cool, c'était fluide et tout. Et là, Non, appel mais c'est Discord, ça a juste un tout bug. baisé. Juste un bug. Ouais, je pensais ça. T'es en plein Du coup, écran et tout? standard quoi. Ah pardon. Bah. Est-ce que t'as mis le DLSS? Oui, je l'ai mis, mais Ouais, ok. Moi, bah, je sais pas, c'est bizarre. Complexité des bases, standard. On va appliquer. Hein. C'est une dinguerie comment ça a pété un plomb.
Ouais, non, c'est bizarre. Mais elle est... franchement, le début, les mécaniques, c'est Non, t'as pas mis incroyable. de Hein. DLSS, t'as pas mis le DLSS. Ah bon? C'est anti-crit le nage, il me Ah, semble. j'ai mis la latence réduite. Oh, tu peux pas mettre les deux? Je crois que les deux ça marche, hein, il me semble. Tu vois, là, tu peux mettre. Ah non, anti-crit nage, c'est FSR. Ça, c'est pour Radeon, c'est le DLSS de Radeon. Ouais. Je sais pas du coup, j'utilise moi. C'est le point positif d'avoir une AMD. Ah oui, l'anticrénelage, je le mets hein, d'habitude. Hein. Je mets FXA depuis GTA V. Par contre, Ouais. il est où le DLSS là? Et je sais pas s'il y a le DLSS du coup. J'ai jamais essayé le DLSS sur ce jeu. Enfin, à part le FSR, mais c'est Bref, vrai j'ai que. tout au minimum. On va appliquer, on va voir ce que ça fait. Mais c'est pas Sinon, je normal relance du le tout. jeu, ouais. C'est pas grave, je Bah oui, non, recommencerai. c'est. Ah Je te bah là, c'est regarde. beaucoup plus fluide, hein. Ouais, mais c'est pas normal. Normalement, si tu tournais bien avant, c'est. Ah Y'a aucune oui, je raison. tournais parfaitement, mais bah je sais Ah, pas. redémarrage Reiki, donc. Bon, écoute, on va prendre tous les risques. Tu peux pas le lancer en ultra et relancer? Ouais, vas-y. C'est comme tu veux, hein, c'est pour toi. On va Profite faire au les mieux en choses, passant hein, par en c'est pas ultra grave. et tout. Tant que je découvre le jeu, en fait, ça passe crème, tu vois. Oui, bah voilà. Mais les mécaniques, c'est vraiment très intuitif. T'as même pas besoin de lire presque, donc c'est plutôt pas mal. Bon, je suppose qu'il faut lire plus tard, mais Alors, pas c'est pas trop mal besoin du de tout. lire, hein, c'est. Bon, en vrai, si c'est vraiment intuitif les logos en fait. Ah, mais quand je suis dans le menu, par contre, ça pète un plomb. Après, ton ami, c'est le stockage aussi. Ah, ouais, ça bug de fou le jeu. Oh putain. Et là, ça se remet bien. Ok, incompréhensible. Il tourne Si bien je le me. jeu. En vrai, il tourne bien. Mais là, je sais pas, depuis que j'ai fait l'appel, là. Trop bizarre ton truc. Ouais, C'est comme ça, hein, applique. c'est la vie. Hein. Tu joues manette du coup? Ouais, Ah bien oui. sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah là, c'est parfaitement fluide alors que je suis en ultra. Ok. Ouais, non mais relance quand même au cas où pour que ça stabilise parce que là. Bah là, c'est parfaitement bien, donc il n'y a aucun Bah problème. c'est Juste, bon, je vais nickel. jusqu'au prochain point de sauvegarde et puis c'est bon. Alors, attends, Vas-y. réparation de vaisseau, trouver un seau hermétique, seau hermétique obtenu. Enfin, bon, je regarde directement pour faire des stocks. Ok. Mais il est cool ce jeu, enfin, genre, je le sens bien, quoi. Je le sens bien, vraiment bien, quoi. Tu sais combien il y a de planètes sur le jeu? Bah, il y en a des milliards, des milliers, quoi. Enfin, c'est. Trilliard, je crois même. Je sais Ouais, plus, mais c'est enfin. immense. Je sais que le jeu, c'est comme Minecraft, quoi. C'est généré procéduralement, c'est une dinguerie, quoi. La planète où t'es, il y a personne qui ira dessus du coup. Oh, C'est ah, le d'accord, truc qui va seul un petit là. peu. Fusil hermétique, bloc ADV, c'est bon. À chaque planète a ses biomes et tout. Là, tu vois, sa planète de glace et tout. Et c'est ça qui rend le jeu, je sais pas comment dire. Ouais. Merci. Immersif, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Ah, la visière d'analyse. Ouais, vraiment les trucs de base, quoi. Ah bah oui, t'as 100 heures de jeu dessus du coup. Tu En me vois plus, comme un je me bébé suis là fait en train de l'émission. découvrir. J'ai eu le temps de faire toute l'émission et tout, j'ai tout tryhard. Ah ouais. Mais du coup, après, tu découvres, tu fais ce que tu veux dans ton coin, quoi. C'est ça. T'as sûrement des petits trucs en Collecter plus. du carbone. Alors c'est bien parce qu'il respecte la classification des éléments demandés les EVE. Et ça j'aime bien. Fabriquer des nanotubes de carbone. Ok. Et en Alors gros, du en fait, le carbone. masque, ils font des mises à jour, souvent c'est des expéditions. Du coup, Ouais. c'est. En gros, tu vas recommencer un petit monde de ton côté. Tu te reprends quelques missions et tu gagnes des récompenses, quoi. Ouais. Et là, je crois qu'on est rendu à la 14. Mais attends, il est toujours là, Coccinelle? Ouais, il est là, il est là. Ah ouais, il est en train d'écouter. Et ouais, non mais c'est une dinguerie parce que en fait, c'est enfin Minecraft, tu vois, il a énormément de mécaniques. Ce jeu, il en a légèrement moins, mais il fait la différence, quoi. C'est fou. Oh, tu découvriras qu'il en a plein quand même. Tu verras par la suite de toute façon. Ouais, j'imagine bien, mais je vois bien le potentiel, quoi. C'est énorme. Là t'as moins 59 degrés comme s'il n'y avait rien. C'est quoi ça? Ouais, modifié.
modifié, fabriqué produit. Le truc radioactif là, je sais pas qui pleut en vrai, c'est pas être bien. Je sais même pas où tu l'as eu dans ton inventaire. Attends, Truc je bizarre. suis tuto déjà, puis je pense qu'à partir du moment où on va décoller, finaliser l'installation. Ok. Terminer la visière d'analytique utilisée pour essayer d'aller. Ok. Ah, je sais pas comment tu l'as eu le truc S. Niveau S, c'est le niveau maximum des objets. Donc, Bah, en fait, j'ai fermé comme un port déjà pour commencer. Ouais, mais là, c'est un item max quoi, ça. Je sais pas. Je sais même pas comment j'ai fait, j'ai juste eu mon instinct, je te Ouais, jure, bah, je je réfléchis sais même pas pas, où c'est non une plus. dinguerie. Moi, Mais j'ai vu un truc franchement, S dans un tuto. mais attends, mais il est multijoueur ce jeu en plus, hein, Ah, si on... je crois que tu passes, ouais. Ah, mais oui, si on se met ensemble et tout, c'est une dinguerie. Bah, Déplacer j'ai pas l'FMG, s'il te plaît. joué du coup, parce que. Je prenais quoi, là? Analyser l'objet pour obtenir les récompenses. Ok. Visière analytique. Oh! Ah oui, d'accord. Ok. Oh, nice. Ok, visière activée, maintenir petit protéine. Pour analyser la cible. Tu peux zoomer avec aussi. Hein. Ok. Ah ouais, c'est bueno ça. Putain, c'est frais. Oh là là, il y a plusieurs modes de. Oh, nice, ok. Des points d'intérêt. Ok. J'ai vu. Et ensuite. Attends, je vais aller voir ça. Après, ce qui est chiant dans le tutoriel, moi je trouve que c'est pas cool. Genre, t'as des trucs que tu vas découvrir, c'est pas forcément intuitif. Mais tu découvriras toi, vu que toi t'es vraiment à fond dans les trucs, donc Ouais. ça devrait aller. Non mais les mécaniques elles sont bien, elles sont vraiment bien en fait. Oui, bah. Bon, en 62 degrés aussi, ça fait du bien. Même là-dessus, les combinaisons elles sont incroyables aussi. Tu me fais penser qu'il faut peut-être que je... Non, Voilà. la drip. Donc, je recharge un peu ça là. Technologie rechargée. Voilà. Ça va, t'es bien, t'es. Je sais même plus ce que c'est, je fais au hasard, voilà. Non, c'est l'oxygène. Technologie Ouais. rechargée. Ah, mais y'a un petit latent, Technologie ça. rechargée. Voilà. Alors, tester la visière. Ok, LT, c'est Ah, bon. rien de recharger comme ça descend tout le temps. Robin Defus. Bien adapté à sa planète d'origine, Robin Defus supporte très bien la température négative. Leurs mouvements saccadés leur permettent de manger en sautant à droite et à gauche pour éviter d'être attaqués. Leur régime alimentaire est riche en hélianthème que l'on trouve en abondance sur cette planète. Observation additionnelle se perd régulièrement parce que c'est un gros débile de merde. Je crois Wesh. que c'est un nouveau mode ça. J'avais jamais vu avant. Ça c'est la planète où je suis, ok. Renommée et envoyée, ok. C'est tout le Nouvelles temps ce système données. solaire en gros. Retournez au vaisseau et poursuivez les réparations. Ok, c'est parti. Merde. Attends, mais il est où? Ah, tu veux une technique pour aller plus vite Il est en là. jetpack, qui est totalement normal. Ouais. Tu donnes un coup de poing, je sais pas c'est quoi la touche sur manette et tu jetpack automatiquement. Ok, je chercherai. Coup de poing et après t'as dit quoi? Et A, mais je sais pas du tout. Oh, ça freeze de fou. Ouais, j'ai eu un petit freeze là, c'est normal, parfois ça arrive. Mais attends, Oh, mais tu le mets un peu vaisseau. avec A et t'actives le jetpack. Hein? Jetpack, et d'un coup ça propulse. On freeze. Ouais, j'ai des freezes. Ah non, mais j'ai trop de freeze là. Oh là, j'ai trop de freeze. Ouais, non, vraiment ça. Non, mais alors, je pense que je vais l'installer sur le nouveau PC parce qu'il fait que 37 Go en vrai, donc c'est rien du tout. Il fait 20 Go le jeu, je crois. Ouais, à Quand je peine, tu l'installais, vois, il faisait genre. 20. Ouais, c'est comme Minecraft quoi. Mais Ouais, c'est vrai. vaut mieux le mettre sur le nouveau PC pour avoir aucun problème. C'est vrai que sur le PC, là, je pense que c'est juste tu stream en même temps, ça bug un peu. Attends, mais mon vaisseau c'est bien l'épée? Mais attends, attends, j'ai un doute, j'ai un doute. Attends, je vois rien, je vois rien. Non, attends, si, enfin. Ce que t'appelles l'épée, oui, je sais pas Oui, si. le truc en forme de Assassin's Creed ou Tesla Ouais, quoi. c'est ça. Oh, attends, j'ai vu des coffres là. Ah ouais. Ah ouais. Alors, bas, gauche, haut. Alors, le jeu il fait combien de Non. gigas? Alors. Ta 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 ta.
fait 18,75 Go. Quoi? Qui fait 18,75 Go. Ouais, c'est une dinguerie, hein. Pour des milliards de planètes. C'est ça, c'est ça. Mais parce que c'est comme Minecraft, quoi. C'est généré procéduralement, donc. C'est une illusion, c'est une belle illusion, mais c'est une illusion, quoi. Okay. Tu peux jouer en VR aussi. Ouais, ouais, j'ai vu, il y a un mode VR. Ça, c'est fou, ça, hein, que le mode VR il soit intégré dedans, quoi. C'est pas mal. Hein. Ouais. J'ai jamais essayé, mais ça doit être trop bien. Ouais. Ça, c'est. Technologie rechargée. Au lieu de faire ça pour recharger, normalement tu peux. T'as une touche de raccourci directement dans ton truc. Ok. Si genre ça te met, genre recharge. Attends, mais c'est un vaisseau ça? Et ça, tu penses que c'est un joueur, le vaisseau que je viens de voir passer là? Non, c'est des mobs. Ah, c'est des mobs? Parfois il y a des mobs qui sont des vaisseaux? Ouais, moi c'est des boîtes quoi. La déco, on va dire un peu. Les joueurs, tu les vois par leur pseudo, en fait. Un petit signe que c'est un joueur, quoi. Mais vraiment, en termes d'exploration, c'est une dinguerie. Genre, depuis tout à l'heure, je m'ennuie pas du tout. Genre, pas une seule seconde, je me suis ennuyé, genre. C'est... Ah, au début, ouais, c'est captivant, et tout, tu découvres. Ouais, c'est hyper captivant, ouais. Ouais, mais tu vois, avec mon habitude, tu vois, genre, avec mon âge et tout ça, mon expérience, d'habitude, je ressens très vite, très rapidement. Je vois rapidement les failles, tu vois. Et là, pour l'instant, j'en vois aucune, tu vois. Et c'est très bon signe. C'est vraiment très très bon signe. Bah, ça fait 54 minutes. Ok. C'est vraiment bon signe. Regarde les cailloux par terre. Je sais pas si t'as vu. Cailloux par terre. Nathan, c'est peut-être chaque fois. Oui, il est minéralement identifié. Ouais. T'as marqué un genre analyse, tu vois, pour l'interrogation analyse. Ouais. Donc, tu vois, en gros, quand tu vas l'extraire, tu vas gagner que de la poussière de ferrite. Ouais. Vu qu'il y a le point d'interrogation, donc scanne le truc maintenant où il y a un point d'interrogation. Ah oui, avec alors comment on fait déjà? Ah oui, c'est comme ça, ensuite comme ça, avec la visière de Manu. Juste un qui avait un point d'interrogation. Rebo 7, voilà, découvert. Moi, je crois lui il avait pas de point d'interrogation. Ok, donc on peut, en fait c'était pas que ce que je croyais, quoi. Donc c'est la rebossette. Non, celui-là il sert à rien. En gros, tu vois les cailloux, vraiment juste les cailloux, les petits cailloux. Ouais. Là, normalement, t'as marqué pour l'interrogation, analyse, pour l'interrogation. Ouais. Scan, ce truc. De la rebossette. Érosion éolienne, cœur en quartz. Maintenant, quand tu vas dans cette... Là, t'as scanné le Isgear Sheet, là, je sais pas quoi. Ouais. Donc maintenant, fais retour. Et quand tu vas l'extraire, t'auras deux matériaux au lieu d'un. Parce que t'as découvert ce que tu pouvais extraire avec. Ok. Donc en fait, c'est pas que les apparences, ça peut cacher quelque chose, quoi. Oula, il bug ton truc. Ouais, c'est... En gros, tu vois, par exemple, si j'ai un stalactite devant moi. Quand je vais le regarder, j'aurais marqué poussière de ferrite et en dessous un point d'interrogation. Quand je vais l'extraire, j'aurai que la poussière de ferrite. Mais si je l'analyse et que je l'extrais après, j'aurai un autre matériau aussi, du coup, le mystère. Ok. Du coup, ça me donnera de la poussière plus, je sais pas, du hydrogène, un truc comme ça. Ok, comme ok. Ça. Donc, c'est bon, important d'analyser le truc. Ça marche. Au début, tu vas devoir un peu de farm, je pense. Oui, il va y avoir un moment, mais je pense que là, ce qu'ils veulent faire, c'est. Me familiariser avec les mécaniques, me faire décoller aussi, ouais, pour me donner envie de découvrir d'autres planètes. Ouais, parce que rester sur la même, en fait. Ouais, c'est ça. Puis surtout qu'on est à moins 63 degrés, je pense qu'ils veulent m'amener vers une planète un peu plus habitable et où je vais me sentir récompensé de mon exploration, quoi. Bah, en soi, tu spawns aléatoirement. Hein. Ouais. Moi, j'y spawn sur planète de glace aussi, mais il y en a, ils spawnent sur des planètes toxiques. Radis. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est bon, ça va. Oh putain, bon, la vache. Biome, en fait. J'avoue, c'est chaud. Putain, mais j'étais pas aussi loin de mon vaisseau à la base, hein. Ils m'ont douillé, hein. Si tu t'as dû t'écarter un peu. Mais comme je t'ai dit, du coup, fais le coup de poing et le jetpack. Ça va. Ça fait accélérer de fou, vraiment. D'accord, mais je sais pas comment on fait le coup de poing.
Bah ça doit être une touche en haut, RP. Non, ça c'est courir, ça c'est rien. Ah, je connais pas ça les c'est rien, c'est rien. Alors peut-être ça. Ah oui, ça c'est le coup de poing. Donc coup de poing de jetpack, ok. En fait, coup de poing, dès que tu donnes le coup vers l'avant, voilà. Tu peux le... Comme ça, ça peut accélérer. Tu vois, un truc comme ça. Ouais, j'ai réussi. Voilà, c'est bien. Trouver le dash assez rapidement. En fait, il était à gauche par contre, je crois que tu l'as passé. Il est là-bas là. Là à gauche. Ah, moi je pense que c'est là. Ah oui, le vaisseau. Le fameux vaisseau. Et ils ont fait un Nexus mode Star Wars là-dessus. En partenariat Star Wars, non, ils ont En tout cas, ils ont fait un Nexus mode sur Starfield avec Star Wars. Alors, propulseur de décollage gravement endommagé, appuie sur X pour continuer. Putain, ça n'en termine jamais. Ok, pour la restauration, réparer les propulseurs avec CD avant de transformer pour réparer les pièces. Ok. Appuyez sur A, réparer, nickel. Tac, tac. Nickel. Donc, normalement, là, je peux utiliser. Ok, ben retour pour propulseur décollage. Nickel. Réparer les propulseurs de décollage, continuer. Allez, on va voir la suite. Graisser le propulseur décollage avec le gilet de drill hydrogène accès à l'inventaire. Ok. Donc je vais graisser. Allez, on va graisser. Normalement, ça t'avait le gel. Ouais, c'est bon. Voilà, nickel. C'est intuitif, hein. Ouais. Et continuer. Allez, on va décoller ou quoi? Propulseur de décollage gravement dommage. Non, c'est pas terminé. Bah non, on a ferré pur. Construisez un raffineur portatif. Oh les bâtards! T'as bien vu qu'il te fallait de matériaux pour un plaquage métallique. Ouais. Il te faut des. Quoi, plaquage métallique? Ouais, plaquage métallique. Ah, ça fait un peu. Ok. Menu construction. Ok, oh putain, le truc c'est satisfactory quoi. Ah ouais. C'est ça. Et c'est avec ça que tu peux, enfin c'est avec ce mode de construction que je peux faire des points de sauvegarde là. C'est des petites tourelles de sauvegarde on va dire. Ok. Donc avant de quitter t'en fais une et tu... Et tu parles des raffineurs portatifs? Non non, en gros dans ce même menu t'auras plus tard. Bah je crois qu'il le donne directement en fait de base, mais c'est pour sauvegarder quoi. Ouais, ça c'est chiant qu'ils aient pas mis en bouton de sauvegarde directement. Super chiant. Ouais. Métaux avancés, ferrite pure. Je te laisse comprendre comment ça marche. Ouais. Merde. Ta merde. En gros, ça transforme un truc. Mais j'en ai ramassé de la ferrite pure. Qu'est-ce qu'il me raconte? Descends, descends, regarde, tu vois, t'as une flèche pour descendre dans l'inventaire. Genre. Ah putain, oui. Oh le coup. Parce que là c'est. Ok, c'est bon. Nickel. Oh oui, putain, il y a une latence de fou. Ouais. Oh putain, là, tout est. Et en fait, tout est satisfaisant dans ce jeu. Même les chargements et tout ça, c'est une dinguerie. Putain, les bâtards, ils ont bien compris. Voilà, c'est bon. Et là, je pense qu'on est pas mal. N'oublie pas de reprendre la raffinerie avant de partir. Ah, d'accord. Oui, mais en fait, si tu la gardes, si tu la reprends, tu peux la reposer autant de fois que tu veux. T'es obligé de repayer un truc métallique. Ok. Ah oui, faut le détruire, non? Ouais, avec. Ah non, RS, RS. C'est qui? Voilà, c'est comme ça, voilà. Ok, c'est bon. Tac. Ok, tous les systèmes sont fonctionnels. Cherchez des réponses parmi les étoiles. Utilisez. Ah, c'est trop bien de dire chercher les réponses parmi les étoiles, c'est beau. Pour décoller. Oh putain, c'est du pilotage! C'est du pur pilotage! Mais c'est une dinguerie! Tous les systèmes sont fonctionnels, mais non.
Mais c'est une dinguerie. Mais Un non. conseil, attends, si tu Ouais. veux augmenter le champ de vision. Ah Plus oui. stylé vraiment genre le vaisseau, c'est Comment? trop stylé. Tu fais échappe, de toute façon ça va être pause. T'es dans ton monde seul là actuellement. Ah, dans nos options? Ah oui, je vois pas, ouais. Caméra, Tu mets j'imagine. option, ouais, ça doit être ça, je sais pas. Champ de vision, ah oui, bah oui. À pied, champ de vision en vol. Moi je mets au max, je mets 100. Mais attends, C'est c'est. trop Ah non, mais ça va faire un FOV à la Sea of Thieves? bien. Bah tu verras au pire, tu. Non, ça me passe sur le non, pas du tout. C'est pas du tout le même niveau, même degré, T'as c'est. vu une FOV sur saute? C'est horrible, moi je Ok. déteste ça, hein. Je te Tu jure. Hein. verras, au pire Les tu regarderas. caméras Je vais GoPro pas là. là, laissez-moi tranquille, hein. C'est une dinguerie. Tu verras ce que ça donne. Après, si t'aimes pas, tu le descends, hein, tu verras. Ouais, ça va. Ça va. Moi, je trouve Ça que c'est va. mieux, tu vois mieux le vaisseau et tout. Les commandes, enfin. Il se passe quoi? Ah oui, d'accord, j'accélère, ok. Et là, du coup, je vais dans les étoiles. Oh là là, ce jeu, il est dingue. Oh là. T'as C'est une une touche pour accélérer, dinguerie. il me semble. Si, Ouais, si. je suis en train d'utiliser. Si, ouais, si, en fait, ouais, sur manette, je connais pas les touches manette avec. Vous avez Et découvert voilà. ceci. C'est une dinguerie. Là, t'es Lyon, tu sais ce que C'est tu une veux. dinguerie, mais attends, mais moi je veux voir la planète d'où je viens là. Attends, c'est de voir. Oh putain. Et oui, elle est entièrement explorable, tu peux vérifier. Ah, par contre, je vais inverser Y et. Ah ouais. Oh putain, c'est. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Avec B. D'accord, ok. Tu vois, c'est ça l'accélération que je voulais Tester faire. le système de vaisseau. Ouais, voilà, Maintenez tu vois. LBRB pour tester vos. Ah, le Ah boost, oui, ouais. je passe en vitesse lumière là. Ah ouais. Non, c'est pas la vitesse lumière. Ouais, pratiquement quoi. Ouais, non, en fait, c'est pas la vitesse lumière. Identifie-toi. Je vous identifier. Tu n'es pas Non, mais des fois le jeu, je comprends pas trop les Suis dialogues. le La diffusion s'interrompt aussi étrangement qu'elle avait commencé. La dernière partie du signal semble correspondre à des coordonnées planétaires. C'est-à-dire les coordonnées. Ok, on est bon. Oh, Tu putain, l'as mais je suis acheté en train de combien le courir. jeu là? Hein? Tu l'as acheté il y a pas longtemps le jeu là? Bah là, il y Ouais. a. Juste avant le stream. Ah oui, ok, ouais, non, ok. Non, Peut-être que tu l'avais avant, mais t'avais jamais genre. non, non, j'ai. Vraiment, je l'ai pris là. Oh putain, c'est là, là. Oh, va falloir atterrir. Par contre, je suis désolé, les. Ça, on va inverser, hein. Vraiment, c'est pas possible. Hein. Tu peux, je pense, inverser l'axe Y, Z. Ah ouais, c'est pas possible, hein, les X, gars. Y, Attends, pardon. c'est au bordel. Moi, commande. Champ de vision, ça doit être peut-être dans commande. Sensibilité, style, suivi, jetpack et merde. Suivre. Commande de vol normale. Juste commande. Ah oui, voilà, c'est ça. Trouver ce pied à travers le valeur. Ok, donc je veux inverser. Bah, inverser, enfoiré. C'est bon du coup là, c'est mieux. Bah. Faut que t'appliques. Là, c'est marqué inversé là. Non? Faut que t'appliques en fait, faut que t'appliques, c'est tout. Bah regarde, j'applique. Non, là t'es en normal. Ah voilà, c'est ça, ça. Donc là tu. Ouais, mais tu mets pas normal, faut que tu mettes inversé du coup. Ah, fallait juste appuyer, ok, je croyais qu'il fallait. T'appuies sur inversé et là tu appliques. Là Ok. c'est pas. Ah bah voilà, là c'est mieux là. Oh ouais, là on est mieux là. Oh les gars, là on vole. Et Star Wars Outlaw, ça va être comme ça, hein. Ah, attends, si. Si, ça va être Ah comme non, ça, je mais pas confonds. Non, avec non, autant de pardon. planètes, mais en très réaliste et tout quoi. Donc effectivement, je vais l'installer sur le nouveau PC parce qu'il y a beaucoup trop de Ça lag. va. Hein. Il y a beaucoup, ouais, il y a Tranquille. beaucoup trop de lag. Ah, tu bruges pas pourquoi, tu vois. Oh, je peux tirer? Quoi? Eh ouais. Wesh! Mais non. Si tu veux, tu peux mettre ton vaisseau en troisième personne aussi. Comment? Tu vois le menu où t'as répondu à la fréquence radio là? Radio. En fait, je sais pas, genre quand tu devais répondre à la communication radio là, quand t'étais Ouais. en. Bah là, t'as. Fréquence Pas trop radio. la touche, ouais. Voilà.
Hop, piloter. Communication de vaisseau, mode photo. Je crois que c'est dans. Attends, faut que tu trouves Hop, c'est lequel je veux. C'est dans paramètres, utilité. il me semble. Changer de vue du vaisseau. Oh, nice! Oh my Ouais. god! Oh la dinguerie! Oh ce jeu! Wow! Et Wow voilà. putain la vache! Putain, c'est ça qui aurait dû être Starfield, bordel! C'est un jeu de 20 gigas qui l'a rattrapé. Ouais, c'est une dinguerie! Putain, les bâtards, ils ont tout baisé! Par contre, tu vois, si tu avances comme ça vers le point, tu prends. Si tu regardes le point, tu prends 1 heure à y aller, il me semble. Ouais, j'imagine, ouais, Donc, faut c'est mettre bien fait quoi. une vitesse un peu plus. Un Alors, peu bah, plus moi j'ai mis la en. vitesse max là. Non, t'as le l'hyperpropulsion là. Ah oui, c'est ça la vitesse max, pardon. Je sais plus c'était quoi. Oh, c'est trop bien les effets. Oh là là! Oh, c'est une dinguerie! Franchement, ils sont trop forts! Ah, ils ont fait un truc bien! Ouais, c'est vrai, c'est un peu ce film. Oh, c'est trop stylé! Mais c'est une dinguerie! Tu l'as coccinelle, le No Man's Sky? Ouais, je l'ai. Mais putain, on va jouer à 3 les Bon, aussi. mecs! Mais c'est Ouais, il une est installé là, de dinguerie! toute façon, j'ai joué ce matin. Mais je suis en train de péter un boulard, frère! C'est quoi ce truc là? Ah, j'ai pas 100 heures, j'ai 94 heures. 100 heures, mais gros, je vais Oh avoir des mince, j'ai milliers d'heures 94 là-dessus là, respect. wesh! Et pourtant, j'ai fait le tour en Après, je comprends pas c'est quoi le but du jeu là. Oh merde, comment on fait? Faire des missions. Ah oui. Juste Merde! l'histoire. C'est comme. Bah oui, l'histoire principale. Ah voilà, c'est comme ça. Oui, je l'ai Oh fini. putain, j'ai paniqué! Elle est longue. En vrai, oui, parce que je dois faire plein de trucs à côté. Non mais attends, si je descends maintenant là, je Bah, vais tu peux, vraiment être dans la planète? tu fais ce que tu veux, tu vas partout. Oh là là, mais c'est une dinguerie les gars, je savais que c'était un jeu de fou La là. planète, elle est entièrement modélisée, tu t'en fous. Bah en fait ce qui me dérangeait c'était les graphismes, et là en fait ils ont changé la DA et j'ai fait waouh, ça me plaît Bah, maintenant. en vrai, non, ils sont pareils qu'avant. Hein. Ah ouais? Bah, Bah là, peut-être que c'est franchement, dans la j'ai. future mise à jour alors qu'ils vont changer la DA. Oui, tout n'est pas fini encore. Ils vont rajouter plein d'effets de planètes, de physique, de tout ça. Ok. Parce que là, ouais, c'est plus chiant. Putain, mais je vais avoir deux vidéos à mettre le lendemain là parce que j'ai une vidéo de Ghost Recon plus ça. Je suis bloc bas. Oh là là, ah mais ça c'est une dinguerie, mais mec, c'est trop là. Le point devant toi, il est Putain. peut-être un peu haut. En gros, si tu veux aller plus vite, faut que tu ailles au-dessus de la planète. Parce que là, en fait, quand t'es basse altitude, tu vas beaucoup moins vite. Ouais. Non mais Là, tu j'ai vois, tu vas ralenti là prendre 10 pour minutes à y atterrir aller, quoi. tranquillement. Ah oui, tu veux poser juste des pieds. Mais putain, on peut survoler la planète! Mais putain, mais d'où Starfield, c'est un gros jeu! Théma! Théma! Mais c'est une dinguerie! Putain, les gens qui bandent sur Starfield sont des grosses merdes! C'est incroyable! Mais c'est ouf! Mais Théma! Putain, la vache! Je suis choc barre de bzz, bzz. T'es obligé de sortir de l'atmosphère pour mettre le pulseur réacteur. Je suis obligé. Quoi? Le pulseur réacteur, le gros truc qui va vite. Ah oui. Non mais voilà, je vais tranquillement survoler. Source signal arrivé dans 2 minutes 28. Ah oui, c'est peut-être un peu long. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut que tu sortes de Oh, c'est trop l'atmosphère. bien, c'est réaliste de ouf. Attends, Parce comment on que sort en de fait, tu l'atmosphère? vas parcourir une plus grande distance en haut. Et tu pourras mettre du coup le champignon, je sais plus quoi. Ouais, stylé. Oui, à chaque fois qu'on sort d'une planète, il y a un freeze, c'est normal. Ah bah voilà, arrivé dans 1 minute, Si tu 15 prends une courbe, c'est secondes, bon. ok, 12 secondes, 10 secondes, ah ouais d'accord, donc là je suis rapide de ouf. Oh putain, c'est trop stylé. Tu Genre... reviens à la gravitation. Dans l'atmosphère, c'est mort, c'est chiant. 1 minute, et là si j'accélère, 20 secondes, 18 secondes, oh là là, mais c'est... Mais c'est une dinguerie. Franchement, vous vous rendez compte dans quelle époque on vit? C'est abusé là. C'est trop. On vit dans Non, une ça passe époque où on toujours. peut créer des univers entiers, wesh.
bah, va découvrir les milliards de planètes. Mais ouais, c'est fou. Là, t'as l'air, je comprends plus après ça. Après, la planète où t'es est moche de fou, y'a rien. Ça. Ouais, je sais. Son signal de position est primitif. Je me demande, y'a quel gros streamer qui joue à ce jeu là? Personne hein, en vrai. Je vais regarder un peu autant. Hop, No Man's Sky. Alors, y'a un mec qui a 1700 spectateurs là, 2600, 1600. Ouais. En gros, là il a 13400 spectateurs en No Man's Sky. Ça va! Pour un petit jeu, là, ça. Après, tu vois le cockpit que tu as dans ton vaisseau là. Ouais. Alors, en fonction que tu prennes un nouveau vaisseau ou quoi, ça va changer. Ça, c'est trop stylé. Ton vaisseau il va influer sur, on va dire, l'esthétique intérieure aussi. Putain, j'ai trop hâte. Là, c'est le premier, c'est pas le plus beau, hein, franchement. C'est... Oh là là, on atterrit et tout, mais wesh! Eh, mais Starfield, allez vous faire foutre, vraiment! C'est une dinguerie, Bethesda. Vous êtes des merdes hein, par rapport à eux. Maintenant que j'ai mis ce but, je m'autorise à dire des dingueries, tu sais. Eh oui, ça y est, monsieur critique les grandes boîtes. Je vous pèse. T'as vu, y'a un vaisseau qui rentre à vitesse lumière au-dessus de toi. Genre, c'est un joueur? Non, c'est pas un joueur. C'est... Y'a du PVP ou pas? Y'a du PVP. Ok. Par contre, faut que j'aille aux toilettes là. Par contre, j'espère que je vais pas me faire attaquer, donc je vais rester dans le vaisseau en fait. Parce que je suis en sécurité. Donc en maintenir pour passer. Ouais, je vais aux toilettes, j'arrive, j'en peux plus, faut que je pisse. Vas-y, vas-y. Hop là. T'es chaud en voiture, Cuxi? Mais moi, je vais t'en quitter là. Déjà. Bah, je t'ai dit, demain, je me lève. Ah, bah, wesh, il est déjà une heure. Quasiment deux. J'avais pas vu le temps passer, wesh. On entend. Je suis rentré, il était quelle heure? Je suis parti au McDo, il était 21h. J'ai dû prendre 2h, donc je suis dû rentrer à 23h. Non, attends, il est pas 2h. Non, c'est impossible. Ça se voit, il est trop en kiff sur le jeu, c'est cool ça. Toi, t'as lâché le jeu dès le début aussi, t'as même pas essayé. Quoi, il coûte 60€ de base de jeu. Putain, c'est une dinguerie. Tu l'as payé sur quoi le jeu? Sur Steam. Tu l'as pas pris, attends, il était à combien? Il était à 24. Il est en promo en ce moment là, il est à 24€. Ah mais sur Instant il était à 17,70€. Bon après. Mmh. Il coûte 60 balles de base de jeu, je sais pas. Ouais. Trouver la source du signal, active une analyse de cible avec la visière. Ok. Alors la source du signal. Quelle est la source du signal? Ah oui d'accord. Oh c'est trop bien, en plus c'est diégétique. Je t'assure, les mécaniques diégétiques, c'est les meilleures mécaniques de jeu, c'est une dinguerie. Eh oui. Putain. Bon bah c'est là-bas alors. Drop vite fait là. Protection radiation défaillante. Se connecter. Ouais, c'est bon, je sais, c'est nickel. Ça fait plus de 13h. Enfin, bon, c'est plus la merde. Ça. Obtenir en vaisseau. Je vais changer de vaisseau. La vie à gueule.
Ah bah d'ailleurs sur mon stream les drop Twitch ont été activés tout seuls, je sais pas pourquoi. Un peu des vaisseaux qui vont être dans les touches d'Europe. Ah ouais, ouais, je vais regarder ça. Par truc du coup par jour. Du coup tu regardes un stream de l'ESP pendant 3 jours. 3 heures. Wesh. Hop, c'est bon. Bah t'as plus de sodium. Ah ouais, ce serait drôle. Ah mais je vais essayer parce que j'avais déjà réussi avec Coxy. Je vais finir la découverte et après demain par contre je vais geeker comme un porc. Hein. Ouais, bah là vu l'heure, je commence à crever heure, déjà. Est... Ah oui, il est minimum. Ah oui, d'accord. Ouais, je fais juste la vidéo découverte et puis hop. On est bien quoi. Ouais. Ah, ce jeu me redonne trop de hype là. Mais je t'entends dans le jeu. Hein. Ouais, je sais moi aussi. Mais attends, t'es dans le jeu. Oh le bâtard. Ça y est, la coupe. Mais oui, je te jure, j'ai mis trop de temps à comprendre, ouais, je suis trop con. Ça charge, là, je te charge. Putain, je sais même pas où aller. Attends, ouvrez l'inventaire. Ah oui, c'est vrai, d'accord, j'ai vu. Ok, il y a ça. C'est bon. Je suis dans l'espace. T'es dans l'espace. Comment on coupe le son? Attends, chat vocal. Réseau sûrement. Chat vocal désactivé. Là normalement je m'entends. Ouais, c'est logique. Oh, ils ont fait des stations spatiales. Oh merci. Oh la Mais oui, ils ont c'est une dinguerie cette nouvelle mise à jour là, c'est... Je sais même pas où t'es, sur quelle planète. Ah si, c'est bon. Si, je crois que je te trouve. Oh, c'est trop bien, c'est une dinguerie. Oui, ça. Et même la DA, elle est cool. C'est quoi ça? La direction artistique. C'est-à-dire le style du jeu, ouais, le style graphique du jeu. Pas les graphismes, mais le style graphique, le style artistique. Ouais. Enfin, il a l'air énervé lui. Oh merde, j'ai perdu de la vie. Tiens, regarde dans le ciel. Attends, c'est toi ça? Je sais pas si tu me vois. Si je te vois, t'arrives là. Je vois ton vaisseau. Atterrissage. C'est trop stylé. Eh, c'est une dinguerie, les multijoueurs ils fonctionnent trop bien, mais wesh. Waouh. Voilà mon petit vaisseau. Et voilà, mais wesh, salut, ça va ou quoi? Putain, le mec il a une lance de magicien, wesh. Hyper. Pas de bas. Ah ouais. Ah merde. Ah mais il est de retour, Coxinelle. Oui, ah, mais il sauvegarde ici. J'avais plus d'électricité. Ah, mais tu sais qu'il y a eu une énorme panne Windows sur tous les aéroports du monde.
Tiens, ouais, regarde ici. C'est juste mon grippin qui a fait. Attends, mais je vois pas où t'es. Ici, t'as un point sur. Ah oui, t'es là, t'es là, t'es là. T'as un point jaune, ok. Putain, le robot, c'est genre il t'accompagne tout le temps, c'est ça? Je l'ai dans une mission, je crois. Putain, il fait trop de bruit, frère. Vous jouez en coop là? Ouais, ouais, il est venu me rejoindre dans ma partie. Ouais, c'est stylé. Vas-y, viens. Attends, faut que je fasse ma mission. Source de signal localisée, étudier la machine endommagée. Alors, attends, c'est là. Voilà, c'est là. Attends, est-ce que tu peux faire ça? Merde. Bon, je peux rien faire. Ah, si, c'est bon. Les fils à nu de la machine génèrent un signal diffusé dans le vide. Celui qui l'a laissé a disparu depuis longtemps. Décryptez le signal. Décoding. Putain, c'est trop bien. Non, mais en plus, même au niveau sonore, la musique et tout ça, c'est une dinguerie. Plus de carburant. Dans X. Ah oui, X, en fait, c'est des interférences. Pas pu atteindre la station, protection environnementale faible, j'ai du terrain déployé en un peu. Vraiment que je te mette un truc après, c'est vraiment bien. Putain, on dirait moi sur GTA quand je vous fais découvrir GTA quoi. C'est ça. Qui vous a fait découvrir GTA? Mais c'est moi qui. Non. Non mais en gros. Ah ouais, mais moi j'avais déjà 40 jours de jeu sur le jeu quand je vous ai rejoint. Ouais, mais moi j'avais déjà 10 mois de jeu sur le jeu. Mais ouais. Ouais, mais ouais les gars. J'étais pas censé l'avoir. T'es un petit loup en fait quoi. Mais Coxien, les gars, moi je gagne niveau 300 et quelques moi. Mais il peut pas fermer sa grande gueule lui. Réponds à la question. Réponds à la question, il a dit. Mais wesh, on dirait voilà. Qu'il est en train d'imiter ses parents, wesh. Eh, par contre, j'ai un bug, je vois plus mon personnage. Ah ouais. Est-ce que t'es en troisième personne là, ou en première? Ah, c'est bon, je le vois. Ah bah non. Mais t'es en première ou en troisième personne? Troisième. On peut être en première? Oui, tu peux être en première. Mais c'est aussi dans le menu, c'est comment? Ouais, c'est dans le même truc que t'as fait pour la radio. Bon, mais j'aime bien la troisième personne. Par contre, j'ai un bug, vraiment, non, mon personnage regarde. Il est invisible. Est-ce que tu sais qu'on peut faire ça? Oui, tu PVP. Ah ouais, tu terraformes. Eh ouais, je peux tout faire, je peux presque galérer et tout. Mais putain. Ce jeu, c'est pire que Minecraft en fait. Et consulter l'optimisation du terrain. Est-ce que genre là, du coup, à tout le monde, il y a des mecs qui peuvent venir avec vous ou pas? Genre, c'est une galaxie par personne. Il y a une chance sur 3, un trilliard de problèmes. Ouais, le problème, c'est que c'est tellement immense le monde. Mais du coup, il y a un seul serveur. Bah, oui, c'est ça la question. Général, genre, tout le monde est dans la même galaxie. Bah, alors, temps, galaxie, dans le même univers. Pas, dans le même univers. Oui, en soi, oui. Ta gueule. Je te pose une question, tu me réponds. La violence de tout le monde. Attends, mais si c'est, dans un seul serveur, par contre, c'est stylé. Bah, en gros, si tu vas sur Planète Carmec, tu le vois. Quoi. T'es déjà arrivé. Bah, en fait, il y a des planètes sur YouTube qui sont. T'as des codes de place, tu peux y aller. Avec un portail, ça, il verra ça plus tard. T'es déjà arrivé? Ouais. Tiens, du coup, Frizzy, tu vois tous ces vaisseaux électroniques? Ouais, mais faut que j'aille dans une caverne. Moi. Bah, ah oui. Je vais te présenter un nouveau cycle de vaisseau. Ah oui. C'est pas électronique. C'est ça là. Ça me fume, c'est vraiment le même tuto que tu m'avais fait à moi, gros. Tu m'avais montré tous tes vaisseaux. Non, tu m'avais montré tous tes outils, tous tes jetpacks. Oui, mais c'était ton ancien vaisseau, je sais pas quoi tu t'es là. Tu vois ce truc là? Il y avait pas un poulpe ou je sais plus quoi là. Non, non, c'était pas ça. Quel vaisseau? Là, je préside moi. Ah oui. Quoi? Tu vois ce vaisseau là? Non, mais moi je suis concentré sur ma mission là. Consulter l'entrée manipulation du terrain ces vaisseaux. Dans le journal Start. C'est un vaisseau organique en gros, c'est un putain, il est dégueulasse, on dirait un organe. Mais c'est un vaisseau organique. Ah. C'est un animal. Ah oui, et bête, c'est quoi, c'est un vaisseau organique quoi. Ah oui, voilà. Merci. Rien. Mais... Merci. Créer rien. Ouais, c'est un vaisseau organique. Si je rentre dedans, tous les organes. C'est un vaisseau organique quoi. Ouais, mais c'est un animal. Rien de normal. C'est bien visqueux et tout quoi. Tu veux faire Romina? Visqueux. On est sur le masque.
Ah, moi j'ai une vidéo YouTube donc je peux pas changer de jeu. C'est con ça. YouTube t'emprisonne. Exactement, exactement. Ou alors me créer de la créativité. Mais créatif. Ah, mais je suis une créature ça. Oui, d'accord. Moi je me jouais au jeu de chaîne, mais y'a personne qui joue. Bah, y'a pas Grimmu. Et Quetzal il veut pas acheter le jeu, du coup on peut pas jouer. Jamais de la vie j'achète un jeu de merde. Mais c'est trop bien. C'est trop bien pendant une semaine, deux semaines, pas plus. Mais à barrer, il coûte 5€ quoi, c'est pas comme si c'était un jeu qui coûtait 40 balles. Mais après, oui, 5€. Mais... J'en ai rien à foutre. Ah bon? Oui. Pas cool ça. Non. Bah ok. J'ai jamais été cool de ma vie. Ah ouais? Ouais. Ok. Fin de la conversation. Action, réaction. Réaction, action. Ah, c'est bien, t'as bien la technique du jetpack. Ouais. Ouais. Moi aussi, je l'applique bien la technique du jetpack. Mais putain, mais ferme ta gueule, coccinelle. C'est un truc de ouf. Il fait exprès. Mais si, tu fais exprès. Non. Oh. Les mecs, je suis à fond dans le jeu, les gars. Je suis vraiment en immersion totale. Putain, je suis à fond et je kiffe. Hein. J'avance pas dans le jeu, mais je kiffe. Genre, je sais pas. En fait, le gameplay il est trop bien. Par contre, j'ai un bug. Genre, je suis invisible. Quoi. On dirait Ghost Recon. C'est personne. Ouais, on va voir, on va voir. Parce que si t'es invisible, c'est parce que t'es vraiment dans ta tête. Mais non. Parce que t'y connais rien, ça. Mais putain, voilà. Mais ta gueule, coccinelle. Ta gueule. Ouais, réel. En vrai réel. Ouais. Ah, d'accord. Je le suis, je le regarde découvrir. C'est intriguant. Mais toi, tu me vois sans être invisible? Je te vois normal. Ah ouais, moi je suis invisible. C'est trop drôle. Mais attends, mais comment je vais faire pour monter là-haut, wesh? Ouais, en gros, si je fais le jetpack, ça va pas moi. Ouais, en fait, faut que la paroi elle est pas trop dans le coup. Là, ça va être dur. Mais t'en fais pas, j'ai la solution à ça. Terraforming et tu passes en dessous. C'est un pas un cheater ce mec. Mais oui. Putain, j'arrive pas à installer, je comprends pas pourquoi. 0 sur 1 gelé de dihydrogène. Ah d'accord, il me faut des ingrédients. Nanotube de carbone. Ok, donc gelé de dihydrogène, c'est parti. Allez, moi je te connais de ce. Attends, je regarde. Je l'ai le dihydrogène. C'est une bulle plus bizarre. Ok. Alors, c'est où les bulles plus bizarres de ta mère? Ah le bâtard. Salope, va. Aïe. Ah non, mais non. Ah oui, voilà. C'est oh, bien. En vrai, c'est marrant un TPS mais avec le mec invisible. Je trouve ça drôle en fait. C'est un concept. Bah, c'est hein. Normal. Non, c'est pas normal, mais c'est un concept quand même. En vrai, ouais. Un jeu comme ça, c'est un concept. Hein. Ouais, c'est une... Attends, mais il y a plein d'hydrogène, je te le laisse. Attends, mais moi tout à l'heure je récupère du hydrogène et ils me disent que j'ai pas, que je peux pas réparer. Bah attends, je peux pas s'inquiéter. Je vais te remonter à la cuisine. Ah si, c'est bon, non, mais c'est moi qui suis teubé en fait. On va regarder ça. C'est toi qui es teubé. C'est quoi ça? Il est un peu teubé quand même.
Fragment de cristal, je vois pas ce qu'il y a, putain. Le stream est passé un peu de micro. Allez. Ah ouais, je te vois vraiment en invisible. Tu crées de la gelée de... Pourquoi ton jeu il est si... Je sais pas, il a l'air plus sombre, plus réaliste en couleur. C'est mon PC, il est comme ça. Avec Elden Ring, ça fait pareil. Genre il a un... il a une patte plus plus sombre, ouais. Ah le ouais, mais le mien il est flashy, mon genre. Mais c'est aussi parce que j'ai mis le mode Garden Eye sur Armory Crate. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Non, moi je connais pas. Coccinelle, tu vas fermer ta grande gueule. Tu sais pourquoi? Non. Parce que t'es vraiment qu'une merde. T'es qu'une merde. Non, je rigole. Mais je sais pas. Tu rigolais pas. Hein? Ça se voit que tu rigolais pas. Ça te fait rire? Ça te fait rire? Ça me blesse énormément. Ça te fait rire? Non. Super. Je crois aller où déjà? Oui, là-bas. Putain, j'en peux plus. J'arrive pas à comprendre. Ouvrez l'inventaire avec. On jamais rien. Alors, c'est start. C'est marqué quoi? Ok. Commencez l'installation d'un module d'amélioration avec X. Nique ta mère en fait. Ah, tu vois le truc radioactif? Oui. Tu appuies dessus, tu fais installer. Bah, tu j'ai fait dans ton sac à dos. Mon sac à dos? Non, tu le mets n'importe où, il y a un slot en haut quoi. Ah, ah. Consulter l'entrée manipulation de terrain. Ok. Ah, yes. Extrait du cube pour construire l'ordinateur de base. Ok. Ça y est, tu as le terraformé. Être des nanochutes par contre. Là. Il faut que je trouve encore des matériaux. Et tu peux les craft normalement. Tu as dans sac à dos. Sac à dos. Si tu veux craft. Ah, attends, moi j'ai une latence de sur le stream alors. Exocombinaison quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Plus ça. Tu vas n'importe. Non, exocombinaison. Tu vas dans un slot en bas et. Et tu craft. Un slot vide, hein. Ouais voilà, et là tu craft. Donc tu peux faire la gelée là, le rond. Oh putain la vache. Mais tu te rends compte que le jeu il te le dit pas, c'est fou. Bah si, il te l'a dit, t'en as fait tout à l'heure. Si tu te fais réparer ton vaisseau, tu fais juste le faire. Et là tu le fais inconsciemment quoi. C'est une dinguerie. Là tu fais, pour le moment tu fais carbone, il te fait du carbone. Que tu trouves sur toutes les espèces organiques du jeu. Ouais. Le carbone c'est la base. Sauf les animaux, tu peux pas. Dis-moi Coccinelle, est-ce que toi aussi t'es fait en carbone, connard? Oui. D'accord. Ah, ça t'embouche un coin hein. Non. Et ouais. C'est du condensé celui-là, c'est pas bon. Eh oui, il faut pas te condenser ici. Tu vois les géodes que t'as en bas là. Enfin, la géode. Putain, bleue. J'arrive pas à réfléchir. Attendez, déplacer, organiser, transfert rapide, jeter. Non, transfert rapide. En fait, c'est parce que t'as pas assez de carbone pour faire ce qu'il faut. Oh merde. T'en farm, pense pas très loin, c'est pas rapide. Voilà, tu vois, c'est plus de carbone. Ça, c'est une hydrogène. Aïe. Attends, y'a du... Y'a quoi? Y'a des dégâts? Ouais, bah regarde. Mais non. On peut se tuer? Non mais vraiment? On peut se tuer. Oh la dinguerie. Putain mais ton robot il casse les couilles, c'est une dinguerie. Non, on l'enlève, c'est trop marrant. Il casse voilà. Les couilles, c'est fou. Il fuit maintenant, il fuit. Voilà. Oh putain, je peux plus rien faire.
Je m'amuse tellement, t'es l'amant, quoi, t'es l'amant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Mais c'est mon robot qui a dit ça. Il est bizarre. Ah, désactive la fusée. C'est bon, il s'est cassé, ce connard. C'est bon, il y est plus. Il est meilleur charme. Il sert à quoi, en fait? Créé par l'itération en 1, sa fonction première est d'appeler votre drone sentinelle reconstruit. Tant que cette fusée est activée dans l'inventaire de votre maison, le drone d'instant à votre côté. Ça sert à rien. Putain, mais normalement carbone c'est C quoi. Ça c'est l'hydrogène ça. Bah oui, je prends de l'hydrogène comme un gros débile. Mais nous vous c'est enfoiré. Bah c'est tuer les espèces organiques hein. Quoi, faut tuer des animaux? Mais non, des plantes. Ah. Ah là, regarde où je suis, tu vois ce gros truc, c'est une plante ça. Ah ouais. Ça aussi c'est une plante ça. Pourquoi ils me l'ont pas dit quand j'ai scanné? Bah si tu... Non mais t'es obligé de scanner, regarde. Si tu regardes cet objet par exemple, tout orange, tu vois, il y a du carbone. Fou, hein. Ah oui, il y a écrit ça. C'est pas dur. Oui mais normalement quand on scanne, pourquoi ils... Vas-y, c'est bon. En fait, scanner c'est pour voir, genre, enfin, par rapport à l'interrogation. Pour savoir ce qu'il y a dans l'interrogation. Enfin, sinon, ça sert à rien. T'as des petits coffres pour la carbone. J'ai toujours pas de nanotube de carbone. Bah faut que tu les craft aussi avec ton carbone. What the fuck. Va dans l'exocombinaison, tu fais comme tout à l'heure avec le gel. Ah ouais. Mais tu fais cet acide et je sais pas. Carbone. Déplacer et organiser. Non, c'est... Non, t'as pas besoin, tu vas dans le craft directement. Un slot craft. Vite quoi. Un slot vide c'est pas grave. Ah ok. Mais putain pourquoi ils le disent pas ces chiens? Et si ils l'ont dit dans le tutoriel en plus. Ah merde. On a créé pour faire ton truc mais tu t'as pas fait gaffe en fait, t'as juste cliqué sur les trucs en surveillance. Ah ouais j'ai fait. Ah oui oui voilà c'est ça que j'ai fait. Mais tu vois je clique sur un truc de surveillance et il pose rien. Oui en... Non non. Pas en haut, juste en bas. Un slot en bas. En bas? Ça c'est les slots que tu places en gros, une fois que tu les as construits. Les modules d'amélioration et tout. En bas, c'est ton inventaire, on va dire. Tu vois? Voilà. Okay. Là, tu fais du truc du carbone, t'en fais deux, ça. Si tu veux en recraft un, tu mets ton curseur dessus et tu fais craft un autre. Ok. Là, il t'en faut deux, il me semble. Mais j'en ai! Pourquoi il me. Ah, un sur deux, ok, pardon. Non, t'as pas vu, je t'ai dit. Je t'ai dit en plus. Mais oui, mais je suis une merde. C'est bon, je suis une merde. Mais tu peux plus te le dire, c'est marqué en bas à droite. Mais tu vas fermer ta grande gueule. Je fais que le lire, hein. Là je fais l'intermédiaire. Mais j'en fais un deuxième. Ouais, voilà. Non, t'avais marqué fabriquer un autre. Bah, ça sert à rien de faire ça, c'est plus rapide. Ouais. Ah, bah, ça sert à rien d'en faire plus. Carbone c'est le truc le plus simple à trouver. Collectif maintenant cuivre. Maintenant il me faut du cuivre avec le plateau terrain avec Y. Ouais, Y. Putain les bugs ils sont chiants. Non mais je vais l'installer sur le nouveau PC, c'est pas possible, faut qu'il soit fluide à mort. Je t'ai bugué. Essaye-le ton truc de terraforming là. Ouais. Non mais mon jeu il a freeze. Il a freeze. Wesh. Ouais bah je vois ça ton. Il a complètement freeze le bail. Wesh. Bah oui, là, c'est plus que freeze. Voilà, dinguerie. Il a complètement pété un plomb le jeu. Scorleon. Bœuf aux oignons. Putain, Coccinelle, t'es trop drôle en fait. Tu sais que ça fait trois fois que je fais la blague, je me dis pourquoi il répond pas, en fait j'étais mute. Du coup, bah voilà. Mais pourquoi tu te mutes tout le temps toi aussi?
Bah non, parce que j'ai ma mère qui est venue et du coup, je me suis mute et j'ai oublié de me démute. Non, mais toi, t'es le seul Tu mec fais dans du le bonjour groupe. de ma part. T'es le seul mec dans le groupe qui arrive dans un vote et qui dit j'étais mute et ça fait 3 heures que t'essayais de parler en fait. Ouais, c'est vrai. Non, Ayahuasca a quitté le système, non. Ayahuasca, pourquoi tu t'es appelé Ayahuasca? Alors, Ah, mais c'est non, le mais c'est ton Steam. compte Steam, ouais. Coccinelle, toi et moi, on va se battre. Je te le dis. C'est moi qui vais gagner de toute façon, alors Ah bah j'imagine bon. bien, ouais. J'imagine bien tellement. J'imagine bien aussi, Ah moi. bah oui, j'imagine bien, oui, tout à fait. Que tu connais rien, de toute façon. Tu Ah connais bah rien à moi la vie, j'y connais rien du tout à la vie et à la violence. La toi. violence, Tu c'est connais rien vraiment à la le bagarre, toi. dernier de mes domaines, quoi, vraiment. La bagarre. Tu connais rien à la bagarre. C'est pour toi. La bagarre, hein, bien sûr. Tu connais rien à la bagarre. Bien évidemment. Bah Bien ouais. évidemment. Tu t'es déjà battu au collège et tout. Non. Ou pas? Bon bah voilà, c'est ce que je disais, tu connais rien. Donc je Bah suis justement, supérieur à c'est toi. parce que toi t'y connais rien que tu penses que s'y connaître c'est se bagarrer. Oui? Il suffit de se bagarrer vraiment, pour de vrai, hein, une fois. Et Oui? franchement, ça te suffit. T'as pas besoin de te bagarrer une deuxième fois pour comprendre. Là, Mais déjà, par là, contre, du se coup, tu l'as fait la bagarrer première fois. vraiment, c'est-à-dire se bagarrer quand tu te dis le mec en face, tu vas le tuer. Tu vois, c'est ça la vraie bagarre. De la bagarre alors. Bah Ça c'est une vraie bagarre. Sinon t'est ça déjà s'appelle quoi? Ça arrivé? s'appelle une chamaillerie. Ah bah moi, trois J'imagine. fois dans ma vie, j'ai failli buter un mec. Ah ouais? Oui. J'étais décidé à le faire. Et trois fois, j'ai eu énormément de chance. Et la personne en face, elle a eu énormément de chance. Avec les Avec circonstances. des. Ah ouais, des circonstances, des décisions de faire demi-tour, etc. Mais moi j'étais décidé. Hein. J'étais Ah ouais? décidé à lui ôter la vie, vraiment, et j'allais le faire. Donc À main nue, avec des armes. ah bah moi je m'en bats les couilles, j'utilise mes dents, j'utilise tout. Tout ce qui est à ma Ouais. disposition, peu importe. Stylé. Bah non, c'est pas stylé du tout, c'est horrible, c'est vraiment horrible parce que en fait quand ça t'arrive, quand t'as vraiment envie de buter quelqu'un, t'es vide en toi et tu deviens en fait. Tu deviens. Comment dire? Tu deviens une énergie, genre tu deviens. T'es une bête. Ouais, tu deviens un animal, genre tu t'es rien d'autre que les muscles, la volonté de tuer et c'est tout quoi. C'est La fou. volonté suprême, c'est la volonté suprême. Ouais, Mais ferme ta gueule. réel. Mais putain, mais il la ferme lui à te dire des conneries. La volonté suprême. Oh, j'ai oublié de mettre les Mais pourquoi le jeu là, il est pété sa mère? Elden Ring, je sais, c'est une référence. Elden Ring! Elden Ring! Ouais, je suis contre Adam, vous pensez que je le tue first Donc c'est try? pour ça que j'ai pas envie de me bagarrer et je me bagarre jamais parce que en fait ça me met dans un mode où le mec il est foutu. Enfin, je sais pas comment dire. En bref. Mauvaise nouvelle. Si c'est une horreur. Bonne nouvelle, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment une phrase de goat. De Et quoi? oui. De Sigma. De Smegma. Sigma Chad. Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Bonne Sigma Chad. nouvelle, j'en ai rien à foutre. Putain, mais de quoi vous parlez, bande de merde? On n'a pas Je la sais ref. pas. Il me fume. Ah ouais, je viens de voir les vaisseaux là. Ah ouais, ils sont pas mal. Putain, Non, fils le. de pute! Quel enfoiré. Ok, jouez. Chargez sauvegarde. Putain. Neutralisez la station. Oh! Il m'a one-shot! Comme par hasard! Wesh. Putain! Fils de pute! À tes souhaits. Mais fils de pute! Oui. Oh, ils sont trop stylés les. Le Putain! nouveau design, Qui avait spatial est fou. peur? Jamais t'insulte comme ça. Mais parce que c'est Ah bah Radan, t'es sur frère! Radan, non? Oui! Dis bonjour à Ah ton du coup frère, je s'il te viens ou plaît. pas? Viens voir, Oh c'est le boss le putain! plus dur de tout Prompt Ah, Software. et je vais t'apprendre un truc. Crazy, quand tu vas dans une station spatiale, Ouais. c'est des bots, hein. Si Ouais. tu vois un vaisseau qui t'intéresse dans la station, tu peux aller voir le PNJ et lui acheter le vaisseau. Le premier, genre? Bah, n'importe, si tu vois un mec qui a un vaisseau qui t'intéresse, tu peux lui acheter son vaisseau. Ok, bon à savoir. Merci. Bah, que les PNJ, hein, pas les joueurs, parce que sinon. Bon, bah, t'es où toi, par contre, là? Hey, Coccinelle, t'es en train de regarder mon live ou pas? Il parle avec son frère, là. Protection radiation. Bah, Kay se fait enculer. Par Ouais. contre, consulter l'entrée manipulation terre dans le journal. Alors, il me faut du cuivre maintenant.
D'accord. Nanotube de carbone, ok. Ah oui, donc tu m'as dit que je pouvais craft, donc je vais craft. Comment ça craft? Ah oui. Oui, tu m'avais dit que tu pouvais craft. Là. Craft. Donc je vais craft. Oui, mais tu veux crafter quoi ça? Par contre, c'est quoi cette musique là? Elle est trop énervée. Je vais laisser sur la musique. Attends, c'est toi qui as mis de la musique? Non, non, c'est pas moi, c'est. C'est le jeu! Le jeu il met deux musiques en même temps? Bah, je sais pas, moi j'ai pas de musique. Putain, il vient de crash encore! Le jeu? Oui. C'est bizarre ça par contre. Moi je crache jamais avec le jeu. C'est insupportable. Bon bah, je vais le mettre en. Mais vérifie les fichiers du jeu après, je sais pas si c'est bizarre. Bah, je sais pas. Bah, c'est pas normal de crash autant. C'est Demon's Sky là quand même. Ah ouais, le mec, il est dans un mode de respect. Un mode de respect, c'est ça, oui. Je respecte la nature. Les planètes qui m'entourent, les créatures. 1h48, ah ouais, au-dessus de 2h, ça commence à être compliqué pour une vidéo YouTube, oui. En vrai. Non, mais je vais finir le petit truc, là, et puis après, je vais arrêter. Enfin, je vais arrêter la vidéo, quoi. Oui, oui. Hello Games! Avok. Avok, c'était quoi? C'est quoi déjà Avok? C'est dans quel autre jeu que j'ai vu ça, Avok? Comment ça, Avok? Bah, Avok. Avok. C'est quoi Avok? Bah, c'est un studio, un développeur. C'est écrit comment ça? H-A-V-O-K. H-A-V-O-K. Avok. Moteur de jeu. C'est un moteur de jeu, du coup, c'est pas un. Je sais pas. Alors, award winning battle test and scan. The gold standard for game developers. Ouais, c'est vraiment. C'est un outil. Mais en vrai, je me dis, le GOTY cette année, ça va être compliqué. Hein. Bah, moi j'aurais mis Helldiver, mais bon. Helldiver, ouais. Je sais pas, marquant. Alors par contre, je suis dans un menu comme au début là où je suis en train de regarder les planètes. Comment ça un menu où tu regardes les planètes? Bah regarde, je suis en train de naviguer dans la galaxie en fait. Ah mais c'est chargement ça. D'accord, c'est hyper long. Bah je crois que je cherche une planète quoi. Oula, c'était quoi ça? Merde. C'est bon, quoi. Ah mais t'es encore là sur la planète en plus. Donc là essaye le terraforming maintenant. Bah je suis Y, ça fait rien. Côté des éléments cuivre. Il est où ton outil d'extraction là? Bah je l'ai pas. Normalement tu l'as sur toi. Bah je fais Y moi. C'est quoi ce bordel? Pourquoi le jeu se met? Putain, j'ai mon plein d'écran. Voilà. Coccinelle va te faire foutre. Activer l'opérateur de terrain avec Y. Utilise la visière. Mais il est où ton outil d'extraction là? J'arrive même pas à voir. Mais je l'ai pas. Essaye d'appuyer sur le bouton du tir. De tir? Oui, pour extraire. Quand je prends du carbone, de la cabine, là je dois scanner des animaux. 1 sur 8. Ah d'accord, faut scanner un peu tout au hasard quoi. Ça sert à rien ça. Je sais pas, mais c'est le tuto. Je le fais acquis d'expérience, acquis de conscience.
Jeu de survie, ouais, d'accord. Faut trouver 8 créatures en fait. Différentes. Bah, faut faire le zoologiste. Planète, différent. Ah bah voilà, c'est bien ce que je pensais. On est dans la merde. Mais quoi? Bah il me faut du NA. Ah du sodium, pardon. Ouais. C'est beau. C'est du sodium. Avec le tabac chimique. Oh c'est lourd, c'est la fête. Toi qui est en train de tout péter là? Oui, c'est moi. Avec mon vaisseau, je suis en train de tout casser. Bah, en fait, mon jeu est en ultra aussi, mais c'est pas aussi beau que sur le tir en fait. Bah, c'est mon PC, hein. Il a une patte graphique, une patte affichage. Vraiment. Genre quand j'utilisais Elden Ring sur mon nouveau PC et mon ancien PC, sur l'ancien PC il est beaucoup plus beau quoi. Ouais, mais je comprends pas en fait, c'est un peu pensé. Mais c'est compliqué. Est-ce que t'as mis le HDR? Même pas. Je comprends pas. Alors, GTA ou je sais pas ce que c'est, je m'en fous. Mais je m'en fous. Relique souterraine. Le HDR c'est énervé hein, fais gaffe hein. Ça demande oui, énormément de ressources. Ah bah oui, c'est encore plus que le ray tracing hein. C'est... Non mais c'est... Wesh, il est parti le truc. J'ai plus l'option du HDR moi. Mais il y a très peu de PC qui ont l'option HDR hein, à part les gros écrans hein. C'est les gros écrans avec énormément de Hertz qui peuvent faire du HDR ou les écrans... Les écrans télévisés hein. Non. Je vois même plus HDR. Non. Ça a pas dû marcher. Oh, je vais mourir. Oh. Aïe. Eh oui, tu prends le chien. T'as réussi le terraforming? Non, je suis en train de faire un ton de truc. On va faire du cuivre. Et comment ça se fait qu'on n'a pas fait une run Valheim ensemble? Comment ça c'est quoi Valheim? Mais t'es fou ou quoi? Mais tu vas pas bien dans ta tête en fait. Mais si, je vais très bien. Mais si, je vais très bien. Je suis très net dans ma tête. Oh, je m'en fous tellement pas celle-là pour moi là. Il est activé, la fluidité est tellement. Non, mais je veux du cuivre, bande de salopes! Donnez-moi du cuivre! Ah, bah, c'est ça le cuivre. Mais non mais...
wesh, je suis en train de terraformer, il y a zéro cuivre. Putain. Non, non, mais je sais qu'il n'y a pas de cuivre. Il y en a pas ici. Mais il m'a dit qu'il y avait un dépôt de cuivre et c'est un menteur. Ah si, attends, il y a peut-être à côté. Ah, mais il y en a un ici. Mais oui. Oh, le micro, il y en a. Ah si, il y en a. Ouais, ok. Un tout petit peu. Sur 60, c'est super lent. Attends, approche-toi de moi, je vais voir si on peut faire des. Je sais pas comment ça marche en fait. Ouais, je sais quoi, c'est cette fourmi qui fait la taille de ma bite là. Comment ça Le mec il a réagi direct. Oh tiens, est-ce que t'en veux un petit peu? En fait, t'as trouvé un. T'as trouvé un site où t'en as 0, c'est pas normal. Non, un peu de. Et wesh! Mais wesh! Mais wesh! Mais. Aïe! 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 Ah. Aïe! Je. Aïe! Aïe! Non, non, je meurs pas, mais putain! Putain, mais gros, mais ils sont trop nuls aussi, frère. En plus, c'est pas ça PD, la plus de sa vie, du coup, c'est pas ce jeu. Ah ouais. Parce que là t'en as pas. Mais oui, mais ils indiquent qu'il y en a en fait. C'est des chiens en fait. Oui, je vois en fait. C'est parce que c'était un tout petit. T'en as que dalle. Je suis bouge en droit avec son vaisseau. Tu vois, t'es sérieux? J'ai plus rien à côté. J'ai plus rien à voir. Là oui, c'est parti. Je vais se déplacer un vaisseau. Oh mais c'est un poste de contact d'une espèce ça. Là
Là, tu vois, le jeu, il commence à me saouler. C'est-à-dire qu'au début, il était génial. Et maintenant, il commence à devenir de la merde. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai 12 sur 60 de merde. Et depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'aller vers des mines. Ils disent, ils indiquent. Petit endroit où il y a des mines de machin. Et quand je vais là-dessus et que je farm, il y a rien, en fait. Putain. C'est normal, il y en a plus. T'as déjà tout à l'heure. C'est abusé. Faut changer d'endroit. Là, il y a écrit dépôt de cuivre. Oui, si j'y vais et qu'il n'y a rien, franchement, c'est des fils de pute en fait. Est-ce que tu as déjà... Hein ? Est-ce que tu l'as déjà extrait ? Bah oui, mais ça se fait pas en fait de le laisser indiquer comme ça là. Est-ce qu'il doit rester une micro-particule pour ça ? Je vais essayer de tout enlever. Bizarre l'ambiance quand même, bizarre. Je vais essayer de l'enlever. En plus j'ai faim et à cette heure là, y'a personne. Attends, j'ai pas des pâtes. Wesh. Y'a pas de manger là. J'ai à dalle, putain. J'ai brûlé la table. What? Attends, mais il est sérieux lui? Je sais pas, j'ai la dalle, j'ai la dalle. Putain, mais t'es trop drôle, c'est un truc de fou. Comment ça se fait que t'as autant d'humour, coccinelle? D'accord. Ouais, je trouve aussi. Alors, je pense. Non, mais il est déjà mort, mais fils de pute, t'as mis tant que dalle, mais. C'est moi qui suis fils de pute. Je pense que c'est mec, t'as mis tant. Hein? T'es parti un peu loin. Non mais je fais n'importe quoi frère, ça y est. J'ai une caverne. T'es sur une planète de merde en plus, hein, toujours sur la même. Non mais je vais faire la outro là, j'en peux plus. En fait là je pense que t'es fatigué, t'as pas envie de comprendre. Ouais c'est ça, j'ai envie de jouer à un jeu que je connais ou un truc comme ça tu vois. Enfin bref, j'ai envie de dormir quoi. Sera demain, je sais pas. Ouais, vas-y, je fais vite fait la outro et j'arrive. Vas-y. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était une découverte incroyable. Bon, j'étais un peu fatigué, c'est la semaine, etc. Bref, mais quand je vais y rejouer, vous inquiétez pas, je vais tryharder comme un porc. On va farmer comme un porc. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Ayahuasca. Ciao, ciao. Bye.